Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favorite. Ce mois-ci, j'ai plein de choses différentes à vous présenter. C'est parti. Je vais commencer par ce que je porte parce que je risque de l'oublier. Alors déjà, il y a mon petit collier lune, beaucoup trop joli, que j'adore, qui vient de l'appartement de Pénélope. J'ai eu un coup de cœur immense, je le porte tous les jours. Voilà, je le trouve trop adorable. Il est tout simple, mais la lune est vraiment fine, comme vous voyez. Il y en a beaucoup qui sont en relief, ça fait vraiment des cornes. Mais je le sens pas, je le trouve trop mignon, délicat et tout, je l'adore. Autre chose que je porte, ce sont mes bracelets en pierre. Ça, c'est ma nouvelle obsession. J'ai commencé par les deux premiers, là, en quartz et en amazonite. Trouvé par hasard dans une boutique avec une amie. Et puis, bah voilà, après j'ai continué un petit peu la collection. Les deux premiers, je les ai trouvés à la boutique de l'inconnu, donc amazonite et quartz. Là, c'est de l'opaline, de l'améthyste, une pierre de lune et pierre du soleil. Tout cela viennent de la boutique Les Pierres du Tibet. Un autre petit favori que je porte, ce sont ces toutes petites boucles d'oreilles feuilles absolument trop chou. Regardez comme elles sont mignonnes, elles sont en plaqué or. Et je les trouve trop chou, c'est des petites boucles qui viennent de la boutique de Zaliana. C'est une boutique qui renferme plein de petits trésors, des petits bijoux en plaqué or et aussi en argent. J'ai aussi, ah bah je l'ai juste là, un collier que je trouve superbe, que j'aurais pu aussi mettre dans mes favoris. C'est un collier plaque aztèque un peu, mais très élégant, trop joli. Pareil en plaqué, et oui d'ailleurs celui-ci il est en solde à 34,50 au lieu de 69, donc ça vaut vraiment le coup quoi. Vous l'aurez compris je pense, en ce moment je suis très tout petit bijou. Les petits trucs tout fins et tout, je sais pas, c'est ma nouvelle lubie. Je vous préviens, ces favoris ils sont un petit peu dans le désordre, c'est pas comme d'habitude make-up, beauté et random. Là c'est un peu ce qui me tombe sous la main. Du coup ce petit favori là, qui est un bougeoir, je sais ça paraît tout bête, mais je l'ai eu dans la dernière box de Nos Curieux Voyageurs du mois de décembre. Du mois de décembre ou du mois de janvier? J'ai un trou, je sais plus. Bon en tout cas, trop joli, un peu bigou, vous voyez, en effet fumé. Et j'adore, là ça se voit pas, mais quand c'est un peu dans la pénombre, ça fait plein de lumières trop belles. J'adore ce bougeoir. Et toujours dans la même box de Nos Curieux Voyageurs, coup de cœur pour ce petit vase bigou aussi. J'ai mis dedans deux petites branches dans ma salle de bain, comme ça je trouve que c'est trop joli. Et j'adore. Je reste encore un peu dans la déco avec ce petit lapin en cuivre de chez Maison du Monde. J'ai complètement craqué. Clairement ça ne sert à rien, hein. C'est juste un petit lapin comme ça. Mais je l'ai adopté, je l'ai trouvé trop chou. En beauté, énorme coup de cœur pour le nouvel highlighter de Dior. C'est le Luminizer Glow Addict en teinte holo gold. Regardez-moi ça, il est sublime, je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi ça! Il est mais trop canon, donc il est rosé, je pense que vous le voyez bien. Il est super pigmenté et ça fait vraiment un effet presque mouillé sur la peau, il est divin. Bon bah du coup je vais pas le perdre, hein. Ce que je souhaite chez, je vais me le rajouter, jamais trop d'highlighter. Je suis désolée pour ma lumière un peu changeante, je suis en train d'essayer de trouver la meilleure solution parce que j'ai eu ma ring light à Noël. Donc du coup bah, ça fait aussi partie de mes favoris, c'est vraiment une lumière ronde comme ça. Et donc j'essaie plusieurs montages on va dire avec mon autre lampe pour éclairer dedans dehors. Et là je pense que c'est pas trop mal, mais à chaque fois que je vous montre quelque chose de près ça change un peu les réglages. Donc bon bref, c'était la petite parenthèse lumière. Encore dans le make-up, une palette Models Hound que Mariono m'a envoyée parce qu'ils vendent la marque maintenant, ils ont un corner. C'est la Sculpt and Glow, regardez ça, holographique. Et donc c'est un trio. On a un bronzer, un highlighter et un blush. Et c'est un petit prix, je me souviens plus, mais ça doit être une dizaine d'euros. Les fards sont énormes, je vais faire un petit swatch. Ils sont vraiment bien. Bon, évidemment, là, je crois qu'on ne voit rien. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, comme vous voyez, le bronzer est très clair. Donc, pour moi, ça me va parfaitement. L'highlighter est très joli. Et le blush, ben, c'est un peu un dupe du orgasme de Nars, quoi. Finalement, malgré moi, je vous fais quand même des catégories. Toujours dans le make-up. Amour absolu pour le Lip Glow de Dior. J'ai l'original depuis un moment, j'en ai eu plusieurs, ça fait des années que je l'avais utilisé, ensuite j'avais arrêté et puis recommencé. C'est un petit baume à lèvres à la base qui réagit un peu au pH de la peau et qui vous rosit un peu les lèvres. Il est hyper hydratant, c'est un des baumes à lèvres en stick que je connaisse qui soit vraiment le plus hydratant. En général, je trouve que les peaux, c'est des formules plus... voilà. Et donc il fait partie de mes favoris parce qu'en plus il y a eu un lancement et il y a eu plein d'autres teintes. Donc avant il y avait que le classique, le rosé. Maintenant il y a aussi celui que j'ai mis là qui est un peu prune. Alors il fait plus prune évidemment sur le raisin parce que ne l'oublions pas, c'est un baume à lèvres hein, teinté. Mais il y en a aussi des mats et il y en a des holos. Alors je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si on va bien voir.
Voilà un holo. Vous voyez, il y a comme plein de petites paillettes. Je vous fais un petit swatch. Il est rosé et il renvoie la lumière trop jolie. Ensuite, pour fixer le make-up, nouveauté que j'aime beaucoup, encore de chez Modazarn, qui m'a envoyé Mariono, c'est le Make-up Fixing Spray. En plus, il est rose, donc comment vous dire, j'étais obligée. Mais en plus, je trouve qu'il fait plutôt bien le job. Alors, c'est toujours difficile de se rendre compte si ça fixe vraiment bien le make-up, plus que si on mettait rien ou plus que si on mettait juste une eau florale. Toujours est-il que j'apprécie beaucoup l'utiliser, ça me fait un rendu un peu... comme si j'avais pas poudré finalement, vous voyez. Donc le make-up tient bien avec la poudre, mais au visuel c'est un peu comme si j'avais pas poudré. Et même au toucher, j'ai la peau un peu glowy, enfin je sais pas comment dire, genre toute repulpée, voilà. Bref, j'aime beaucoup et encore une fois c'est un petit prix. Je sais plus le prix exact, mais de toute façon, vous savez maintenant, tous les produits sont en barre d'infos. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo spéciale routine soins bio vegan naturel. Je vous présentais trois marques différentes dedans, donc il y avait Sobioéthique. Le voilà, la Canopée et l'autre Melvita que vous connaissez bien maintenant. Si je vous présente ces deux produits en particulier, c'est vraiment parce que déjà c'est une nouveauté pour moi d'utiliser ce combo et parce que c'est vraiment des chouchous, chouchous de chouchous. D'ailleurs, dans les derniers favoris, je vous ai présenté l'eau micellaire de Sobioéthique que j'adore, je l'ai presque fini. Donc voilà mon petit duo chouchou, il y a l'huile démaquillante à la camomille de la Canopée et la mousse démaquillante à l'aloe vera de Sobio. Donc l'huile démaquillante, c'est abricot, camomille, amande, 100% d'origine naturelle et vegan. Tous ces produits, je vous les ai présentés en détail dans les vidéos routines, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la regarder. Mais en bref, c'est une huile démaquillante qui n'est pas lactée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, l'huile de Melvita, quand on met un peu d'eau sur son visage après s'être démaquillée à l'huile, l'huile se transforme en lait et du coup se rince très facilement. Là, c'est pas le cas, l'huile reste huile, du coup, il faut la nettoyer pour pouvoir enlever toute l'huile, parce qu'enlever juste de l'huile avec de l'eau, ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que, on le sait, l'huile et l'eau, ça se mélange pas, donc voilà, ça marche pas du tout. C'est pour ça que j'ai introduit un nouveau produit dans ma routine, c'est une mousse démaquillante. Je n'ai jamais utilisé de mousse, enfin, en tout cas, ça fait très 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 longtemps. Ça tombait bien parce que j'avais envie de me mettre au double nettoyage, c'est-à-dire démaquillage et après nettoyage, donc ça fait l'affaire. Et en plus, bah, ça me permet d'enlever mon huile démaquillante, c'est-à-dire que hop, j'enlève, enfin je mets mon huile démaquillante partout, et ensuite je mouille et bim, je mets la mousse, je frotte même les yeux. Hein. Je passe même sur les yeux avec la mousse Sobioéthique, ça ne pique pas du tout. Enfin, elle est trop bien, elle laisse pas la peau qui tire ou quoi, parce que moi j'avais ce problème-là à un moment quand je testais des mousses. Très vite, je trouvais que c'était trop abrasif pour ma peau. Et alors là, pas du tout. Enfin, franchement, cette gamme à l'aloe vera, elle est trop douce. Bah, d'ailleurs, il y a marqué mousse nettoyante apaisante. Sur le coup, je m'étais dit comment c'est possible. Bah, ils ont réussi. Et donc, celle-ci, c'est 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans parfum de synthèse. Chez Dior, il y a une nouvelle gamme qui est sortie, c'est la Capture Youth, qui est donc capturer la jeunesse, qui se compose d'une crème et de 6 sérums, si je ne me trompe pas, avec tous une action très ciblée. Celui-ci, là, que je vous présente aujourd'hui, c'est contre les rougeurs. Le voilà, il est vachement bien. Dès que j'ai reçu la gamme, je l'ai introduit dans ma routine tout de suite. D'habitude, j'attends de finir mes propres sérums, mais simplement parce que j'avais en effet pas mal de rougeurs. Enfin, moi, j'ai la peau qui réagit beaucoup. Je vous ai dit, j'ai tendance à me gratouiller la peau et tout, donc voilà, j'ai pas mal de rougeurs. Même si, là, ça fait plusieurs jours, je fais l'effort, je réussis à me concentrer, à ne pas toucher ma peau. Et ben, changement, enfin, c'est peut-être aussi avec le sérum, je sais pas, mais grosse différence, hein. D'où sa présence dans mes favoris, alors que je l'utilise depuis... 2 semaines je crois, donc c'est un peu tôt, mais en général j'aime l'utiliser un mois, voire finir un produit avant de vraiment vous dire que je l'adore, si ce n'est coup de cœur. Bah là en l'occurrence coup de cœur, parce que super facile à appliquer. Normalement ils sont faits pour être mis avec la crème, on peut même les mélanger les sérums, mais moi je prends une pipette et hop je me la mets comme ça sur la peau, et ensuite je vais mettre ma crème. Là j'utilise pas encore la Dior, je finis mes Sobioéthiques. Eh bien écoutez, tout doux, rentre très vite dans la peau, un côté un petit peu lacté. Et puis en effet, enfin, mes rougeurs ont, je vais le dire, disparu. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en combo parce que j'arrête de me tripoter la peau. Mais ça n'empêche que, enfin, en arrêtant de me tripoter la peau, je n'en crée pas d'autres. Mais celles qui étaient là avant ont disparu. Serait-ce du sérum Dior?
je suis incapable de me retenir de faire des catégories, c'est terrible. Je fais non, vas-y, ça va être un peu à l'arrache aujourd'hui. Pas du tout, trop organisé. Voici un petit shampoing sec en mousse. J'arrive pas à me souvenir si je vous en ai déjà parlé, c'est probable. En ce moment, je l'utilise beaucoup. Alors, entendons-nous bien, je me lave les cheveux quand même une fois et demie par semaine, on va dire. Mais entre-temps, ça m'arrive d'en mettre même 2 jours de suite. On peut pas faire ça avec un shampoing sec type Baptiste, hein, parce qu'on en met une journée, on a les cheveux cartonneux, il faut absolument les laver. Et là, pas du tout. Je vous ai même pas dit ce que c'était le produit. C'est la marque Way qui fait ça. Et donc c'est un shampoing sec moussant. Je vous l'avais même pas dit. C'est vraiment, enfin là je vais pas le faire, mais vous prenez votre main et ça fait une mousse, mais vraiment une mousse, une grosse boule de mousse. Et on en met aux racines comme on va appliquer finalement un peu un shampoing normal, hop, en frottant comme ça. C'est un peu mouillé sur le cou, mais après ça sèche et ça vous donne zéro texture. C'est-à-dire que là, j'ai absolument pas l'impression d'avoir mis du shampoing sec, j'ai les cheveux tout doux, mais sans avoir le côté gras. Voilà, donc ça fait vraiment le job du shampoing sec. Un autre produit qui vient, lui, m'aider à démêler mes cheveux et les hydrater, c'est la marque Absatoussi qui fait ça. Donc c'est Absatoussi qui a créé sa marque Absatoussi. Le spray capillaire démêlant, sans rinçage, nourrissant et réparateur, sans silicone, sans parabène, sans sulfate. Et comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, j'en suis là. Alors que ce genre de produit dure une éternité, ça fait très longtemps que je l'utilise et je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à vous en parler dans mes favoris. Bien marqué, inspiré d'une recette de grand-mère, je me présente en version spray pour une application facile. Je démêle, redessine les boucles, ouais, c'est pas trop mon cas, nourrit et fait du bien à votre chevelure. Je m'attaque au calcaire et l'élimine car lui, on ne l'aime pas trop en effet. Je laisse vos cheveux agréablement doux, parfumés et éclatants et je suis également votre nouveau meilleur ami pour la plage. Donc ça doit protéger aussi des rayons du soleil. C'est made in France, fait main et sans test sur les animaux. Écoutez, c'est vraiment un super produit. Voilà. Ça démêle les cheveux sans laisser de côté gras, collant, huileux. Enfin franchement, ça se voit plus après. Enfin je pense que vous vous rendez compte, là on dirait pas que j'ai quelque chose sur mes cheveux quoi. Et ben j'ai ça. Un petit favori, mais que j'adore, que mes parents m'ont offert à Noël, c'est un parfum solide diptyque que j'ai déniché, je leur ai donné le lien. C'est le parfum solide Rosa Viola qui était en collab avec Olympia Letan qui date de la collection de Saint-Valentin de l'année dernière qui était ultra limitée. Et donc ça se présente comme ça, comme un petit pot de crème et c'est un parfum solide qu'on vient mettre par exemple, hop, ici, au point de chaleur du corps. Et alors cette odeur, c'est vraiment l'une de mes préférées. C'est mon top 3 quoi avec les météorites de Guerlain. Ça sent le vieux rouge à lèvres et j'adore. Voilà, édition ultra ultra limitée. Si je trouve le lien, s'il y en a encore, je vous le mettrai. J'ai maintenant quelques objets un petit peu différents à vous présenter, mais le dernier ce sera un retour au make-up, mais c'est imposant du coup, bah je vous le montrerai en dernier. La première chose qui ne paye absolument pas de mine, c'est ça, alors qu'il est cassé, il y avait un bouddha ici, mais il a pas tenu longtemps. C'est un petit bloc que j'ai acheté chez Nature et Découverte, ça s'appelle 365 jours zen, et tous les jours vous avez une petite citation ou un conseil, par exemple là c'est celle du jour où vous allez voir la vidéo. Et moi, je trouve ça beaucoup trop chouette. Là donc on a lorsqu'il est libre, l'esprit est naturellement serein, de même que l'eau non agitée est par nature limpide et claire. Proverbe tibétain. Bah, je trouve ça hyper chouette. Si vous me suivez notamment sur Snapchat et Instastory, vous savez que je suis très branchée développement personnel, de plus en plus. Et que du coup, notamment sur Snapchat, je partage avec vous tous les jours le bilan écrit de mon Miracle Morning du matin. Et donc dans ce bilan, je colle la petite citation ou le petit conseil du jour. Côté thé, gros chouchou du mois, j'ai reçu cette énorme boîte à thé clipper, merci encore les filles, et dedans il y a plein de thé clipper, alors que je descends, enfin là il y en a presque plus, c'est mon favori, c'est le fraise, c'est juste, ah je l'ai enfoncé, il en reste qu'un en fait, c'est le thé vert fraise bio, que j'adore, en infusion il y a aussi le fraise fleur de sureau qui est excellent. Et donc voilà, en ce moment je ne bois que des thés et des infusions Clipper et je ne propose que des thés et des infusions Clipper à mes amis quand ils viennent. Clipper c'est bio, c'est bio, c'est bon. Non mais c'est vrai, franchement elles sont vachement bonnes. J'essaie de plus en plus de boire du thé et des infusions bio parce que je sais qu'il y a plein de pesticides sur le thé. Puis le thé c'est les feuilles. Et qu'est-ce qui prend le mieux les pesticides que les feuilles? Eh ben les feuilles. On reste un petit peu dans le green avec un livre que j'ai adoré, que je conseille vraiment à tout le monde, c'est Planète Vegan. Penser, manger et agir autrement, il est écrit par Ophélie Véron. Alors vous voyez, j'ai une tonne de marque-pages parce que voilà, c'est des idées ou des informations que je connaissais pas et je voulais pouvoir y retourner rapidement. Alors oui, ce livre s'appelle Planète Vegan, mais il ne s'adresse pas qu'aux vegans. Il s'adresse absolument à tout le monde parce qu'il vient en fait expliquer
cette démarche. Voilà, pourquoi devient-on vegan, comment devient-on vegan. Par exemple, il y a toute une partie en premier historique que j'ai trouvé vraiment géniale, qui disait que même au temps des pharaons, il y avait des végétaliens. Enfin voilà, que certes, c'est peut-être une mode dans l'air du temps, mais que ça fait très longtemps qu'il y a des gens que ça concerne. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien. Vous avez des parties explicatives, informatives. Il y a aussi plein d'adresses pour trouver des chaussures véganes, pour trouver des soins véganes. Enfin voilà, il y a plein de bons plans. Ça traite vraiment de tous les sujets, c'est hyper complet, ça répond, je pense, à toutes les questions. On se dit par exemple, mais est-ce que les carottes souffrent? Enfin voilà, ça répond vraiment à toutes les questions. Je trouve que c'est une bible de la véganie, et je pense que pour tous les gens concernés qui ont un membre de leur famille qui, pas forcément devient végane, mais qui change un peu d'alimentation et tout, bah, je vous conseille de le lire parce que je pense que ça vous aidera à les comprendre. Et puis ça vous aidera vous aussi à répondre à des questions que vous vous posez sûrement. Et puis il y a plein de choses à apprendre dans ce livre, vraiment. Donc pour tout le monde, j'insiste. C'est le moment livre, hein. Je vous parle pas de livre de développement personnel parce que je vous prévois une autre vidéo avec 5 lectures comme j'avais fait la dernière fois. Donc je vous parle plutôt de roman. J'ai lu La Passe-Miroir, tome 1, Les fiancés de l'hiver. Alors apparemment ça fait un moment que c'est sorti, donc moi j'atterris un peu, tout le monde m'a dit « Ah il est trop bien, tu vas voir » et tout. Et en effet j'aime beaucoup l'univers. Alors je sais plus combien il y a de livres, mais il y en a beaucoup. Moi j'ai décidé d'attendre tous les poches, donc j'ai commandé le prochain. Parce que bon, le budget livre, comment vous dire, c'est de la science-fiction. Ça se passe dans un univers complètement différent. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va, elle, devoir déménager et s'adapter à un style de vie qui n'est absolument pas le sien, avec toute une histoire de magie, de trucs un peu bizarres et tout. Non, franchement, je peux pas trop vous en parler sans tout vous dévoiler, mais il est vachement bien. Un dernier livre, celui-là, je l'ai eu à Noël de la part de mes parents, je pouvais pas vous le montrer dans l'autre vidéo favori où je faisais aussi les cadeaux de Noël parce qu'on n'avait pas encore fait Noël ensemble. Donc c'est un livre sur Dior qui s'appelle Esprit de parfum et qui regroupe tout l'histoire en fait du parfum Dior. Il est vraiment super bien fait, il est traduit aussi en anglais, donc pour ceux que ça intéresse. Et il est très très beau, c'est vraiment un super beau livre, franchement. Il y a des passages d'ailleurs, vous savez j'avais été à Grasse avec Dior, et là notamment c'est François de Méchy, le nez de Dior, qu'on avait eu l'occasion de rencontrer, avec qui on avait fait nos parfums. Enfin voilà, en plus du fait que ce soit un très joli livre, c'est empreint de nostalgie pour moi, ça me rappelle des super moments, donc je suis trop contente. Et mon dernier favori, si vous me suivez vous savez ce que c'est. C'est une grosse boîte bourgeoise, attention je vais l'ouvrir. C'est la Velvet Wheel de Bourjois. C'est une roue, voilà, qu'on peut tourner pour choisir la couleur qu'on va mettre aujourd'hui, qui renferme les 36 teintes des rouges éditions Velvet de Bourjois. Obligée de la mettre dans mes favoris, étant donné que les rouges éditions Velvet de Bourjois sont mes favoris ultimes. C'est mes rouges à lèvres que je préfère. Donc je suis aux anges, voilà. Quand j'ai reçu ça, j'étais trop contente, d'autant plus que j'ai pu vous en faire gagner une sur Insta. Donc encore une fois, merci Bourjois, merci Bénédicte. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous gâter en plus. Donc voilà, gros favori. Je vous avais prévenu, il y a eu vraiment pas mal de produits différents dans ces favoris. J'espère que tout ça vous a plu, que ça vous plaît aussi de voir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des favoris que vous connaissez, ce que vous en pensez, et à partager vos favoris en commentaire. Si vous avez passé un bon moment avec moi et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et puis aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'en voir plus. D'ailleurs, je vous invite également à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Ça vous enverra une notification sur votre téléphone à chaque fois que je vais sortir une vidéo. Comme ça, vous n'en louperez pas. Parce qu'il paraît en ce moment que les gens loupent toutes les vidéos, on sait pas quand ça sort et tout. Enfin bon, voilà. Si vous avez l'occasion, si vous avez envie, la petite cloche. Il est l'heure de vous laisser avec un petit Marty qui ronfle. Et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bonne semaine à tous.